Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Donc où j'ai, enfin entre guillemets, j'ai demandé à ce qu'on arrange la mare. Donc là on l'a sacrément bien arrangé. Donc en fait il y a une pelle qui est venue pour le bâtiment de mon père. Et là en fait du coup il n'y a pas beaucoup d'eau parce qu'en fait on a fait enlever l'eau pour que ce soit plus facile pour creuser tout ça. Mais bon, quand ça va remettre, ça sera bon. Et donc là voilà ce qu'on a fait. Donc j'ai arrangé toutes les berges bien correctement. Voilà, j'ai mis des petits trucs comme ça, j'ai mis des gravions partout. Voilà, donc là pour moi il y a un gros trou, ça se fait un peu dégueulasse, mais après quand ça sera bien plein, ça va être très beau. Donc là ça a été creusé à la pelleteuse. Là il y a mon tuyau de débordement que j'ai enterré pour qu'il sorte là-bas, on voit bien. Hein. Du coup bah, là pour moi j'ai mes oies, là à l'intérieur j'ai toujours mes oies, elles n'ont pas encore commencé leur pro. Là à l'heure où je tourne on est samedi et demain j'ai des poussins, j'ai une vingtaine de poussins, une grosse vingtaine de poussins qui sortent de ma couveuse. Donc si jamais ça sort bah, je vous ferai une vidéo tout ça. Voilà. Donc là ouais j'ai creusé de. Il y a un bon gros mètre là. Il y a au moins 1m50 je pense. Et puis bon voilà. Donc voilà, j'ai fait des bordures pour que ça fasse bien plus propre. Et donc là, la mare, là, j'y planterai peut-être quelques petits arbustes, des petits trucs comme ça pour que les bêtes puissent être à l'ombre. Et voilà, du coup, en gros, ça donne ça. Donc voilà, j'ai fini avec une pelle, j'ai foutu la terre là. Et voilà, ça donne ça. Donc là, quand ça va pleuvoir et que ça va couler l'eau, ça sera ni vu ni connu. Alors, je suis super content. Et voilà, donc c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis ciao tout le monde.